mademoiselle Watson. On n'en veut pas de votre air nouvelle. On était très bien comme on était avant, pas vrai? Ouais. Alors si vous voulez nous saquer, vous gênez pas, allez-y. Moi, je change rien. Bien, c'est votre dernier mot. Prenez la porte, pas dans la figure, je veux dire. Ça serait douloureux. Eh, hey, ma sœur, moi je suis foutu si vous nous saquez. Arrange-toi avec tes petits camarades. Mes parents ne sont pas contents du tout. Allez, quoi, on va pas se laisser abuser par elles. Allez, venez. Allez, Sketch, tu t'amènes. Non, non. Frankie? Non, Rita, d'habitude, je suis sur tous les coups. Mais là, c'est mes intérêts à moi qui sont en jeu. On se sent seul tout d'un coup sur la brèche, mademoiselle Watson. Bonjour, l'amitié. Bien, revenons-en aux choses sérieuses. Si vous voulez aller quelque part et devenir quelqu'un, il s'agit de vous réveiller et de faire attention. Parce que dehors, le monde vous fera pas de cadeau. Vous ayez le look, que vous soyez dans le move, que vous soyez in ou pas, ça comptera pas. Sans diplôme, vous n'êtes rien. C'est ça la vérité, mes agneaux. Rita. Rien, c'est parfait. Te fatigue pas, tu chantes aussi bien que moi. Oui, mais toi, avec le timbre que tu as, tu iras loin. J'ai une voix d'église. Qu'est-ce qui va pas? J'en sais rien, je pense à plein de trucs. Ma mère dit que le chant, c'est secondaire, qu'il n'y a pas d'avenir. Bon, d'accord, elle pense qu'elle veut. Mais toi, qu'est-ce que tu crois? J'en sais rien. Allez, si tu veux, on reprend la chanson. Mais on chante ensemble cette fois, d'accord? Arrête, tu parles à la hauteur. Ah, tu parles. Tu chantes très bien. Je chante en bas et toi, tu prends plus haut. On essaie. D'accord. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow. Maintenant, n'arrêtez pas. Salut, à plus. Tu as une voix magnifique. Et après? Et après? Pourquoi est-ce que tu chantes pas dans la chorale? Je suis sûre que tu en as envie. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire et que je ne fais pas. Je sais. J'étais comme ça moi aussi. Oui. À l'occasion, essaie d'en parler à Sœur Marie-Clarence. Elle m'a beaucoup aidée. Rita, tu as à peine 17 ans. Alors, comment sais-tu ce que la vie te réserve? Vous êtes déjà promenée dans notre beau quartier? C'est pas l'endroit idéal pour démarrer une carrière. Même si je veux chanter, c'est pas ici que ça se passe, alors pourquoi en parler? Faut avoir un peu les pieds sur terre. Rita. Mais Rita!